Oh, nice! Oula, 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 oula! Arrête de faire du cinéma, toi, debout! Non, mais ça va aller, en vrai, on va se remettre. J'ai les chevilles solides. Ah! T'es un malade! T'es si chill, trop bien. Oh! Oh, oh mon dieu! Mais je m'attendais pas du tout à ça, je pensais qu'ils allaient s'envoler! Encore! Eh merde! Ah! Vous avez vu? Élément détecté au niveau supérieur. Franchement, si j'arrive à trouver le coffre grâce à ça... Ah, ouais. À quelque chose près, hein. Putain, j'ai trop envie de pipi, je suis désolée. Je viens juste de rentrer dans le jeu, mais j'ai trop envie de pipi, donc j'arrive. Mais je comprends pas, la manette, elle drift. Tu m'étonnes. Et il y a un autre truc que je vous ai pas dit, qui est très drôle et qui a beaucoup fait rire Antoine, Orti, Angle Droit. Quand j'ai été invitée au concert de Blackpink, je savais pas, mais j'avais le droit à un plus 1. Et comme ma meilleure pote qui m'a fait découvrir la K-pop, elle est sur Paris et tout, je me suis dit, vas-y, je vais l'appeler. Elle me répond pas. Elle me rappelle genre 1h30 plus tard. Et elle me dit, ouais, je sors de la mairie parce que je viens de me marier. Pour ceux qui se souviennent, j'avais fait son mariage religieux et elle faisait le mariage civil quelques mois plus tard, mais c'était juste la mairie, donc tu sais, c'est un peu boring, pour ça que j'y étais pas. Dans ma tête, elle allait annuler. Que nenni, elle a annulé son restaurant en famille du soir pour le concert de Blackpink. Personne ne voulait la croire. Elle a montré sa bague, elle est en mode, regardez ma bague et tout. Elle aurait tellement dû venir en robe. Ah bah d'ailleurs, elle m'a dit, en gros, quand t'es en robe de mariée, tout le monde est trop gentil avec toi. Il a commencé à pleuvoir deux gouttes, il y a une meuf qui s'est précipitée avec un parapluie. Elle a dit tout le monde est adorable, donc il y a un monde où je vais en acheter une de ce pas. On vient de m'identifier sur un truc sur Twitter, apparemment. Il y a un événement sur Paris autour du Spritz. Quoi? Genre ça s'appelle la Spritz Piazza. C'est une expérience éphémère. Genre va y avoir beaucoup de Spritz, je pense. Bah ouais, logique. Tu dis Spritz, mais... moi je dis Sprite. Mais attends, mais on parle peut-être pas de la même chose. Ah, tu parles du Sprite, le soda là, Nao? Bah oui. Je sais pas du tout. Ginto, moi je suis sans alcool, la fête est plus folle, hein. This is an emergency. Oh, oh, let's go, la personnalisation dans Pikmin. Oh, mais quoi? Oh, trop chou avec les lunettes. Oh, je l'aime trop emblasé comme ça. Ah, je dois encore sauver le monde, quelle flemme. Soit j'ai une coupe au bol, soit je suis sur la page Facebook BG Mécheux, soit je n'ai pas de dignité, soit j'ai un double macaron, soit... Bon, double macaron. Elle est rigolote comme ça, on dirait Clover. J'allais dire, j'ai pas bu d'alcool depuis 3 ans, mais en fait, là, je viens de me rappeler que si. Que je me suis pris une murgie, en fait. Non, j'ai goûté. Je viens de m'en souvenir. Non, mais j'ai goûté ton cocktail bizarre, là, à Paris. Là. C'était sûrement un Sprite, parce que je ne bois que ça. La dernière fois, je suis allée fêter la fin de mes émissions Glénat dans le bar d'en face. Et du coup, genre, le mec a amené l'addition, mais 110 balles de Spritz. Combien? Et du coup, j'y suis retournée la semaine d'après et il m'a dit, vous voulez un Spritz, c'est ça? J'ai fait, pourquoi vous me dites ça? Et il a dit, bah, vous avez une bonne descente quand même, la semaine dernière, on se souvient de vous. J'étais en mode, oh mon dieu, est-ce que je me suis ridiculisée? Attends, quand t'es allée une fois dans un bar et qu'il se rappelle de toi... Oui. C'est quoi, ils font une espèce de rite? Ils sont en train d'invoquer un démon, là, non? Eh bien, qu'est-ce qu'on attend alors? Joignons vite le Shepherd. À vos ordres. Il y a un problème, Clover? Au sein de l'équipe de secours, on répond à vos ordres pour dire entendu. Non mais tu m'as regardé, gros. Pas demain la veille que je vais dire à vos ordres. Je vais mettre ça sur le compte de la nervosité, ce qui est normal, après tout, c'est ta toute première mission. Mais à vos ordres de quoi en fait? C'est quoi cette hiérarchie? Vous savez à qui vous parlez en fait? Tu m'étonnes qu'elle soit blasée. On va faire une reconstitution. C'est les émotions, en fait. Salut, Cactus. Tu n'as pas un petit débat à me donner aujourd'hui? Un smash or pass? Tony, le tigre de céréales Frosties. Smash or pass?
Alors, je ne peux que passer perso, parce qu'en plus j'ai un affect particulier avec Tony des céréales Frosties. Quand j'étais petite, je suis allée en vacances à Punta Cana et on a fait un spectacle avec le mini club de l'hôtel et on était tous déguisés en Tony, le tigre des céréales Frosties. On était maquillés en tigre et sur notre tête, on avait une espèce de... Vous savez, comme les trucs où il faut deviner qui on est. Genre, devine qui je suis. Ah, non, je suis Marine Le Pen. Oh non. Genre, on avait un serre-tête comme ça. Et au-dessus, il y avait une photo de Tony le tigre de Frosties. Frosties. Oh, ce mot a perdu son sens. Frosties. 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 Le meilleur cheval qu'on ait pu créer, je pense. Oh, on a de la visite ? Oh mon dieu ! Ah. Ah pardon. Monsieur ? Kirk trouve Georgia super et veut devenir son meilleur ami. Mais papa ! C'est fou quand même ! Mais papa ! Papa ! Mais casse-toi ! Oh non ! Est-ce qu'elle peut... Oh là là ! Je l'adore ! Oula ! Ah ! Ah mais en fait, c'est horrible, Gray se retient de chier depuis des lustres là, parce que c'était bloqué la porte ! Il est au bout de sa vie ! On te regarde, vas-y, t'inquiète. Il est tout bâtard ! Tu me dégoûtes ! Fuck Marie Kill, Camille la chenille, Léon le bourdon ou Loulou le pou. Non mais déjà Camille la chenille elle fait trop peur, je suis désolée. Hein. Après le bourdon he's cute quoi. Camille la chenille cette grosse conne. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'elle a fait Camille la chenille pour être traitée de grosse conne? Léon le bourdon a un bon boulard? Ah mais excusez-moi mais qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous et qu'avez-vous fait à mon chat? Les petites bêtes se préparaient à dormir. Mais que faisait donc Camille la chenille encore dehors à cette heure-ci? Bah c'est une traînée, c'est pour ça en fait. Je veux pas aller me coucher, j'ai peur du noir. Ah non, pardon, excuse-moi, c'est pas pour ça. Mais dis donc Camille, tu n'es pas encore couchée? Hugo vient de me dire que je deviendrai un horrible papillon de nuit. Mais on l'emmerde ce gros fils de pute. Allô? Une blague? Waouh. Mais putain, il me lance toutes les musiques en même temps, sérieux là? Ce jeu me pousse dans mes derniers retranchements. J'en ai trop marre. Doit-on laisser le mot chill dans le titre? C'est le dimanche Chill Sims? Rien, ni personne, vous m'entendez, ne m'empêchera d'être chill pour le dimanche Chill Sims, d'accord? D'accord. Je sais pas vous, mais moi je suis très chill là.